de pivot hein, dans la défense centrale française. Mais le tir, longue distance. Pour l'instant, ça tient. Oh, oh, sublime, oh, magnifique. Anchiki. Alors, Matelekai qui est un demi-centre accélérateur hein, du jeu. Et ça peut très bien fonctionner avec ce genre de base arrière. Anchin à droite et Ilyes à gauche qu'il faut mettre en mouvement. Ouais, quel super début de match. Hein, Paul Soubaï qui était venu disponible sur le Yago. Donc, de tous ces mots de français appris. Lui qui est très instruit, qui lit beaucoup, très cultivé. Quelqu'un de particulier hein, également dans la gestion du handball. Un peu solitaire aussi. Et le superbe tir, l'impact hein, une nouvelle fois. Attention à Anchin. Oh, quel tir énorme, surpuissant. Une nouvelle fois. Que de qualité montrée par ce joueur. Regardez ça, il est totalement externe. Oh là là, quel ultra-vageur. Super. Messieurs Gasmi et Gasmi. Quentin Mahé en 1-5, l'équipe de France avec Soubaï qui va se replacer. Ekaï, accélération. Attention, le tir à la hanche qui a surpris Vincent Gérard. Anchin, une nouvelle fois, qui nous montre un autre style de tir. Et mais là, c'est ce que... Ouais, exactement. C'est ce que ça. Ouais. Anchin, qui tout russe. Ouais, et puis Vincent Gérard, malheureux là-dessus parce que le ballon a été détourné. Le temps mort posé par Didier Dinard et du futur joueur du PSG en balle. Et comme vous dites, la réussite, ça se provoque également. Belle entrée. Oh, et énorme là aussi.